avec ma pince qui est légèrement un peu taillée justement pour faire la coupe. Voilà, pour faire la coupe avec un chevauchement. C'est-à-dire que ça m'évite de couper les deux et ça me garde, voilà, ça me garde un chevauchement. Voilà. Alors là, les anneaux, comment ils sont constitués? Ils sont constitués, ils se chevauchent. Alors c'est très important au niveau de la coupe pour pouvoir bien couper et se chevaucher l'un sur l'autre. Sinon, quand on va mater, ils vont se retrouver à décaler au niveau du matage. Alors il faut bien qu'ils soient parallèles ensemble, l'un sur l'autre. Dans le même sens, il faut qu'il soit décalé quand c'est la coupe, sinon pour mater ça s'écrase sur les côtés et c'est pas correct. Là on va beaucoup plus vite en faisant comme ça. Je fais à peu près 3 frappes pour écraser. 3 frappes avec un marteau de 2 kg. Un écrasement non plus pas trop écrasé, pas trop écrouillé, parce que quand on met le bébé, après l'épaisseur s'amincit et ça risque de faire de la cassure quand on met le bébé. Alors un ensemble comme ça c'est pas mal, ça nous permet de pouvoir percer, avoir assez de surface pour percer un 5. J'ai aussi moyen de le faire avec un poinçon, c'est un peu plus fragile, mais bon, c'est des solutions qu'il y avait avant quand il y avait pas de perceau. On peut faire un petit trou d'un millimètre, ça ne fait que poinçon. Par contre, il faut recuire, il faut faire un recuit pour que la matière soit un peu mieux. Vous voyez, voilà. Après, ça c'est un anneau dont j'ai fait un perçage d'1,5 et ça c'est mes clous qui vont me servir de rivet qui font diamètre 1,3. Ils ont été recuits. Alors pour avoir plus de facilité, 1,5 1,3, j'ai 2/10 de jeu que je peux insérer mon rivet, entre guillemets mon clou, facilement. Alors ici j'ai mes empreintes, voilà. Ensuite je coupe avec un petit peu de marge en plus pour faire le reboulement de la tête du rivet, et je le retourne, voilà, et voilà le rivet derrière, voilà. Alors là, je suis en train de faire un enchaînement de maillons. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et je suis obligé de faire un écartement pour pouvoir passer sans rifter. Je sais que j'en ai toujours 2 qui sont riftés. Une méthode qui n'est pas trop mal. Ensuite, je resserre, je raboute tout ce monde-là. Et je mets mon fameux rivet. Voilà, vous voyez, je fais tout un enchaînement comme ça de chaînette. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Toute la longueur que je veux. Et quand j'aurai fait une deuxième chaînette, je rassemble ensemble.
fait un chapelet. Alors, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est? C'est comme tout à l'heure, j'ai montré quand j'ai sorti, c'est 2, 1, 2, 1, 2, 1, et ça, par exemple, pour ce cas-là, ça, c'est la longueur, enfin, c'est le périmètre de la manche, d'accord? Alors, là, en réalité, il va falloir que je raccorde les deux. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus long par rapport à ceux-là. Ceux-là, c'est les mêmes. C'est parce que quand je raccorde avec des anneaux qui sont ouverts, comme ceci, je vous montrais tout à l'heure comment je les mets. Autrement dit, ça raccourcit naturellement. À la force de mettre des anneaux, ça raccourcit et ça fait des chapelets deux par deux comme ça. Voilà. Que je raccorde tous ensemble. Ça c'est un exemple. C'est par exemple, ça c'est l'exemple de la manche qui part comme ça. La manche est beaucoup plus large là. Ça part et ça rétrécit du côté de la manche beaucoup plus bas. Alors vous voyez, voilà. Ça c'est la manche qui va faire comme ça. Voilà. Après, quand ça va être abattu, ça va être mis sur l'ensemble 4, on appelle ça 4 dans 1. C'est-à-dire qu'un anneau, il va emprisonner 4 anneaux. C'est le système 4 en 1. Vous voyez, je prends, comme j'ai dit tout à l'heure, je prends celui-là. Je prends le deuxième en bas, le troisième en haut et le quatrième en haut. Toujours d'une façon pareille, régulier. Je resserre, toujours pareil, vous voyez, pour pouvoir mettre mon rivet après. Alors vous voyez, alors prendre une petite pince avec un débec très fin. Là, regardez comment ça fait. Assemblé. Ici, ce sont mes chapelets qui ne sont pas assemblés. Et ça va être repris à chaque fois. Ça sera repris sur les autres après, au fur et à mesure. Voilà. Et voilà.